Peggy 18. Oh, je suis plein au niveau du bois. Ah, ça va poser problème. Ah ben, j'ai un dépôt. Ok. Il va faire bientôt extrêmement froid. Ça passe pas. C'est ça qu'il faut que je recherche. Allez, on tient le coup. Ça fait très froid. Je suis désolé les gens. Je suis vraiment, vraiment désolé. Il faut que je fasse un troisième truc avec de l'acier. Ça. Ah, c'est toujours des dortoirs. On est à moins 70 et ils ont pas froid là. Ah si, ils ont froid. Ressources, dépôt de ressources. C'est pour ça que je me fais. Il faut que je fasse habitant maison. Je fais bien de faire ça. Je fais pas bien en fait de faire ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là je suis en train de tout gaspiller. Non, je suis en train de tout gaspiller. Il faut que je tienne encore un tout petit peu. Besoin d'un cobaye. Capitaine, l'ingénieur qui travaille sur le projet Tomate est de retour, il veut emprunter un automate. Je suis proche d'une percée, j'ai besoin d'un automate pendant une journée et je pense pouvoir vous proposer des modifications spécifiques qui vont augmenter leur performance de manière permanente. Alors, c'est pas bon, on lui donne un automate. Il y a une loi qui peut être passée là. Il y a une loi, hôtel ou temple. Listen everyone. Ah, new law is signed. Mais le temple. Ah, les gardiens de la font pour avoir qu'une seule fois. Ce qu'elle veut dire. Hop là. Ok, ça c'est bon. Allez. Faut tenir encore 11 heures. Je vais faire ça. Exceptionnellement, je suis désolée. Hein. Finish your labors, people. The work day is up. Ok. Ok. Je vais remettre un lieu de prière parce que eux ils ont personne. Des partisans. Les premiers londoniens convaincus. De nombreuses personnes souhaitant initialement rejoindre les... ont décidé de rester ici.
Allez, ça va remonter. Voilà, ça va. Absolument, absolument. Noyau de vapeur nécessaire. Capitaine, l'ingénieur travaillant sur le projet automate vient d'envoyer son rapport. Il a cassé l'automate en compteur. Oh putain. Yeah. Pardon, désolé. C'est bon. Ça. Non. Réfléchissement. Allez, clique pas sur tout et n'importe quoi. Concentration. Je suis sûr que derrière vos écrans, vous êtes là en train de dire putain, mais non, mais elle se gourre complètement. Elle fait n'importe quoi. Là, ça. Ça, c'est important. C'est important parce que comme ça, je vais pouvoir augmenter tout ça. Ok, donc toi, t'as fini. Je te... Oh bah toi, celle-là, c'est bon. C'est là qu'il faut que j'envoie mon automate parce que là, on a vraiment des problèmes. Du coup, ils sont passés à... 65 en efficacité. Ok, ça se dégèle. Gabriel. Hop. J'ai deux amputés. Il faut. Par contre. Ah, si, c'est nécessaire. Ils sont à 10 les londoniens, c'est bon. C'est bon ça, c'est bon. Putain, il est tout mal. Avec un peu de chance, on va peut-être perdre. Dénonciation vertueuse, je ne veux pas parce que pour moi c'est comme ce que faisait, comme ce qui se passait pendant la guerre, les gens qui dénonçaient leurs voisins, tout ça. Donc, ce que je vais faire plutôt, c'est faire des hôtels. Alors. Là j'ai des gens qui bossent. Là j'ai des gens qui bossent. Ouais, on va en faire un là déjà. On va en faire un. Ça c'est bizarre. Ça a l'air d'agir sur l'autre. Je vais le faire là. Je devrais en faire un là, mais c'est un peu idiot. Là, j'ai des automates qui travaillent. Allez, hop, 3, et puis c'est bon. Ok. Ok. Les éclaireurs ont atteint Tesla City. Des esprits et des corps saints triomphant du froid. Voici le slogan que l'on peut lire à l'entrée de Tesla City. Une grande tour émet une lumière bleue à cause des décharges électriques qui forment un dôme protecteur au-dessus de la ville. Un problème a dû survenir. Nous avons trouvé des corps calcinés dans les rues et l'air est lourd d'une odeur de chair brûlée.
Nous avons vu un éclair émanant de la tour frapper un bâtiment et percer son toit. Je suis partagée. Allez, on risque. Nice. Bien juillet. Partir sur ça. Un grand succès. Capitaine, le projet automate est terminé. Les automates peuvent maintenant être construits à moindre coût et utilisés dans les centres médicaux. Nous pouvons maintenant modifier les automates avec des pièces de précision, leur permettant de travailler sur la chose la plus fragile que nous connaissons, le corps humain. Nous pouvons également retirer certaines pièces non essentielles. Le coût des automates diminuera 5% et pourra être utilisé dans les centres médicaux. Très bien. Du coup, ça m'a fait découvrir ça. Je dois pouvoir le voir. Déjà recherché, très bien. Ce qu'il me faudrait, moi, c'est ça, je pense. C'est pour ça que ça m'a pas fait intégration des automates. Ah non, intégration des automates. Putain, je vais pouvoir rechercher ça, ça va être bien. On va bientôt perdre 10. Il est toujours niveau 2. Il faut que je fasse un truc que j'aurais dû faire il y a longtemps. Ok, plus que 7. Il reste un jour. Bah, je doute qu'un jour suffira pour... Alors, cuisine mobile. Chaque cambus offrira des repas chauds aux travailleurs du voisinage. Ouais. Augmente d'un niveau la température du lieu de travail voisin. Oh putain, c'est bien ça. Maison de guérison. Les fidèles œuvrant à la maison de guérison non seulement soigneront les malades, mais aussi prieront pour eux leur donnant de l'espoir. Donc, la maison de guérison soigne les malades plus lentement que l'infirmerie. Traite les malades graves. Sans nécessité d'ingénieur et de tout ce possible. On va faire ça. Listen everyone. New law is signed. On va faire. Ça. Non, là ça sert à rien. Là j'ai quoi? Là j'ai des gens. Là, j'ai des gens. De toute façon, celle-là, on va pas la garder éternellement, mais... mais là, on s'en fout, j'ai un automate. Et là aussi, bah, c'est bon, tu peux descendre ça. Ça marche là. Allez, on ferme.
voulais faire un truc et je me rappelle plus ce que c'est. Putain, c'est les maisons. Putain, faut que j'en profite. Dépêche, on s'active. Je veux que toutes ces maisons elles soient construites. Avant l'arrivée du front. Allez, c'est parti. On va y arriver les gens. On va y arriver, on va survivre. C'est moi qui vous le dis. Ok, ok. On va augmenter la portée du générateur. Est-ce que c'est bien utile? Je veux dire, la plupart des maisons pour le moment sont... On va le garder comme ça. Capitaine, un homme a été retrouvé en pleurs dans le temple. Nous l'avons approché pour lui demander s'il avait besoin d'aide. Il a répondu qu'il veut simplement vous voir. Je pensais que ma foi était morte il y a bien longtemps avec ma femme et mes filles à Londres. Je n'avais pas trouvé un autre but à ma vie, à ma survie. Mais aujourd'hui, lorsque je suis entré dans le temple, j'ai vu un futur pour nous tous et je suis prêt à l'embrasser. C'est une bonne nouvelle. Hop là, tout le monde a des maisons. Wouhou! C'est qui fait des heures sup? Ah, c'est là, non, je crois. Malheureusement, je peux pas me permettre de... On a vraiment besoin de ça. Alors, je sais que certains vont me dire... D'ailleurs, je vais le faire. Avant de... Voilà. Que je peux faire un deuxième atelier... la vitesse de recherche. Putain, on va peut-être y arriver, je sais pas. Il reste 12 heures. Je sais pas, hein. Il faut que... Ok. Du coup... Putain, c'est trop bien. On a réussi. Donc quoi qu'il se l'ait écouté, on ne pouvait pas laisser partir les Londoniens. Nous avons bien fait, nous sommes de nouveau unis. S'ils étaient partis, ils seraient morts, mais nous sommes restés tous ensemble. Nous sommes unis. Beau travail.
Et en plus, j'ai obtenu terre promise. Les Londoniens ont finalement reconnu la folie de leur plan. Personne ne veut quitter la ville à présent. Nous avons gagné une bataille contre la peur et le désespoir. La tragédie de Nidiver a brisé nos espoirs, mais pas notre morale. Nous sommes unis à nouveau, plus forts que jamais, malgré un futur incertain. Beau travail. Ok, ça c'est bon. Et je suis au max au niveau... espoir. Ok. Il fait bientôt moins 60. Brace yourselves. Cold is coming. Ok. Alors, ça dit quoi au niveau temp? On va faire ça peut-être. Je sais pas si ça sert bien à grand chose, parce qu'au final... Il fait vraiment très très froid. En fait, je pense que... Oh. Est-ce que si je fais ça... Ouais. Je peux faire ça, je peux faire ça. En fait, mon but, ce serait de gagner... Ah, mais oui. Mais c'est bien sûr. J'ai augmenté mon... Ah ouais, non. Qu'est-ce qu'il dit au niveau consommation? Il dit qu'on n'est pas bon du tout. On va tout griller en quelques temps. Et là, il dit... Si je ferme tout. On va tout fermer. Alors, il fait froid. Mais pour le moment, c'est supportable. Alors, je vais vous dire pourquoi je fais ça. Parce que je vais me dépêcher de... Ah putain, c'est pas ça que je voulais faire. Faut que je me dépêche de rechercher... Ok. Alors... Pensez bien à tout de suite couper, hein. Merde, je sais plus ce qu'il fallait que je recherche. Ça y est, je me rappelle. Et ça me demande hein, un truc de fou là. Charbonnage, mine de charbon à vapeur. Vent d'espoir. Les gens ont commencé à laisser échapper des perles et des messages religieux comme offrande dans les hôtels. On dirait que cela améliore leur morale dans ces temps difficiles. C'est une bonne nouvelle. On va bientôt passer à moins 70. En facile, moins 70, c'est la plus basse température qu'on obtient avant de la grande crise. Donc... très bien, très bien, très bien. Tout ça, c'est top. On est malade encore. Ils ont froid. Putain, ça va descendre. On s'en dit bientôt. Invité inattendu. Oh putain. Les réfugiés de l'étendue. Je les avais oubliés. Capitaine, un groupe de survivants épuisés atteint notre ville. En écoutant leurs explications frénétiques, nous comprenons qu'ils ont parcouru une distance importante et que beaucoup d'entre eux sont morts durant le voyage. Ils disent que l'apocalypse s'en vient. Que d'autres survivants sont en chemin. Il vous supplie de les aider. Soyons prudents. Parce qu'en fait, si je fais, nous allons les aider. Tout le monde va arriver. Et voilà. Alors que si je fais, soyons prudents, je gérerai groupe par groupe. Donc déjà, résolver la situation de ceux qui arrivent. Parce qu'il faut leur trouver une maison. Malheureusement, hein, les maisons, c'est pas extensible. Ok. Je vais faire 3 maisons. Ça, c'est bon. Ils en ont pour un jour. Putain, ils vont arriver presque à moins 70. Ok.
Très bien. Mine de charbon à vapeur. On va la construire. Mine de charbon à vapeur. Je peux pas la remplacer? Ah si. Ça me coûte un noyau à chaque fois. J'ai bien envie de rêver pardon, 1, 2, 3. J'ai bien envie de rechercher terminal. Parce que c'est vraiment utile ça, parce que maintenant c'est un peu tard. Hein. Allez, si, on va le faire. Vous allez comprendre pourquoi. Le problème c'est que... Si, si, si. Je peux peut-être gérer ça autrement. Alors, du coup... 11h... Bon, on va faire ça. Ramasser plus de bouffe. C'est bon pour l'âme. Capitaine, la construction des cambuses a été très appréciée. Une délégation a été envoyée pour vous remercier. Nous avons déjà remercié nos frères qui s'occupent des cambuses. Nous allons prier pour eux. Dans cet air glacé, tout ce qui nous garde au chaud est providentiel. C'est une bonne nouvelle. Ok. Ça, c'est bon. Ça y est, il est passé en charbon à vapeur. C'est top. C'est top, c'est top. Je garde ma consommation à l'œil. Putain, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Si je fais ça, est-ce que là ça marche ou pas? Faut que je fasse. Non, mais là j'en ai pas besoin parce qu'en fait. Tout le monde, il est pas trop froid. Et j'ai pas poussé mon machin encore. Hein. Je peux le monter. Hein. Je peux le monter. J'avais pas fait une aciérie à vapeur. Si. Mais elle est déjà à vapeur celle-là. Elle est déjà à vapeur celle-ci. Alors oui, je vous disais pourquoi j'ai fait, parce que je ne l'ai pas construit, pourquoi j'ai fait mon terminal. Vous allez vite comprendre, c'est pas ça que je veux faire. En terminal, on peut le construire soit ici, soit là. Moi, je vais construire là. Très bien. Une fois qu'il est construit, je vais envoyer des gens parce que ici, voyez-vous, on a un avant-poste et un avant-poste qui va pouvoir me fournir des noyaux. Que ça sert à rien en fait. Ça sert pas à grand chose. Donc là c'est mon premier groupe de gens qui va arriver. Je vais faire ça.
Listen, everyone. New law is signed. Je vais faire une maison de guérison.